Ouais, ça glisse de ouf, hein. Oh, c'est quoi ce truc là? Oh merde! Putain, j'avais jamais vu ça, deux roues à l'avant, frérot. Le mec, c'est un Nikon sans moteur. Putain, mais vas-y, frère. Oh, tu bois des canettes, il est fou par terre, sans déconner, quoi. Putain. C'est vrai, même au Danemark, t'as des crados, c'est ouf. Putain, j'ai fait la ratée. Oh là là, les amis. Ah ouais, comme ça, elle tue, les gars. Ah ouais, comme ça, elle tue de fou, gros. Ah là là, elle est énervée. Je suis trop content, franchement. Je suis trop content de la couleur que j'ai choisie. Elle est magnifique, gros. Ah, franchement, les gars, je regrette pas du tout, quoi. Sans déconner. Elle est magnifique comme ça. Oh là là, il a fait se planter lui là. C'est quoi cette contrefaçon de HGV, frérot là? Oh là. Il est fatigué son scoutin. Peut-être une idée là. Là, si je la mets en hauteur pour faire ma petite photo, bon, par contre, il va falloir que je me dépêche. Mais je pense que ça peut être pas mal du tout. Ouais, allez, vas-y, on va la mettre là. On va forcer à mort, hein, mais bon, eh, c'est bon, on est français. Hein. On va dire qu'on savait pas. Quelle indignité. Ah, faut pas se planter là. Là, tout le monde va me regarder, me dire, mais qu'est-ce qui branle? Et ouais. Là, il y a moyen de faire du sale là. Putain, les... Oh là là, t'imagines, t'as une maison ici, mais oh, comment tu dois être trop bien dans ta vie. Putain, mais les baraques de fou. Oh, sérieux, je suis choqué. Regarde ça, putain, mais regarde ça. En face de la mer et tout, quoi. Waouh. Et ici, c'est que des gens qui ont réussi. Ah non, mais alors lui, c'est le winner. Oh là, non, c'est lui le winner en fait. J'imagine, t'as une deuxième maison de vacances ici. Comment tu dois être trop bien, quoi, c'est fou. Oh là là, mais tu... Oh là 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 là, t'es mal à table, quoi, mais ils sont trop bien, eux. Oh, sérieusement, quoi, merde. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, il y a une grosse Audi, mon gars, là. En bleu comme ça, gros, elle est pas mal. Je vais perdre l'arrière, moi. Je sais pas si ça s'est senti à la GoPro, mais moi j'ai bien senti l'arrière. Oh, sur l'angle, c'est vrai que j'ai mis un petit peu d'angle et il fait vraiment froid là pour le coup. Voilà, team. Et puis à mon petit shoot, tu vois sur quoi je suis tombé, quoi. Je kiffe cette fraise, surtout l'endroit là-bas là. J'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais parce que bon bah je suis néophyte dans la photo. Hein. Mais franchement, putain, ce graphe il est mortel, je le trouve vraiment super beau, quoi. Là c'est vraiment stylé, mais alors ici mon gars, je trouve ça juste cette petite partie et ça continue tout là-bas. Et j'avais vu sur Maps, mais malheureusement bon bah il y a des travaux, donc il n'y a que cette partie-là d'à peu près accessible, donc bon. Mais en tout cas, je kiffe, j'aime bien cet endroit. En plus, ça sonne pas, c'est parfait. Si, parfait. Ok, bah tu vois, elle continue tout le long là, presque. Putain, c'est ouf. Oh là là, c'est magnifique. Oh, le dinosaure, gros. Ah ouais, mon gars, mais c'est trop stylé, gros. Oh, il y a King Kong. Oh ouais, lui, il est trop bien fait, le rond noir. Oh, les bikers. Eh ouais, il va y avoir de plus en plus de bikers ici. Hein. Si en fait, si tu veux, les Danois... moi, j'ai pris une assurance pour toute l'année, tu vois. Et en fait, les Danois, les motards ici, ils prennent pas l'assurance pour toute l'année. Ils sont assurés que de printemps, été et automne. L'hiver, en fait, si tu veux être assuré, ça te coûte un peu plus cher. Et c'est vrai que vu que...
avec la neige, c'est un peu compliqué de rouler l'hiver ici. Donc, si tu veux, là, les bikers, ils ont le droit de rouler depuis le 1er mars. Donc, c'est pour ça qu'on, sur les vidéos, tu risques de voir un peu plus de motos, comme le Schlistom qui est là-bas, quoi. C'est ça. Ah, bah, tu vois, une MV Agusta. Eh ben, GSXF, bah, bah voilà, bah tu vois, putain, c'est un truc de ouf, gros, j'en parle. J'en parle et y'a plein les bécanes, quoi. C'est bon, ça. T'as encore une bécane, frère. C'est bon, ça. Et ça fait lever aussi, c'est bon. Je suis mort. Putain, mais c'est stylé quand même, genre. T'as beau traverser plusieurs pays, tu vois que le V-motard, quand même, ça reste quand même ancré dans peu importe la culture, quoi. Ça fait zizir. Bon, moi, j'arrive pratiquement à mon spot, là, donc. Faut que je reste focus et concentré. Oh, les pots de banane par terre, frérot. Je sais pas si ça s'est vu à la GoPro. J'imagine j'aurais glissé sur une peau de banane comme dans Mario, frérot. La loose, mon gars, la loose. Ok, lui... Oh mon gars, putain, elle fait un bruit sa Focus RS. Je crois qu'on va rester un petit peu derrière lui, The B. Oh là là, c'est une mitraillette, mon gars. C'est bon, j'en bats les couilles, on va le suivre un petit peu, frérot. Sérieux, il est insolent son échappement là. Il doit être en ligne complète, c'est pas possible. Il doit avoir les clapets ouverts, le salaud. Putain, n'empêche, elle en jette sa petite Ford là. Dommage, putain, je crois qu'il vient. Ouais, il revient vers la ville. Dommage, mon gars, j'aurais bien tiré un peu avec lui là. À moins qu'il nous fasse une petite Axel quoi. Qu'on entende le son du démon. Mon gars, c'est une voiture de rallye qu'il a là. Ah, je sais pas où il va, frérot, mais bon. On va pas le suivre éternellement. Le mec, après, il va avoir peur et tout. Salut, mec. Il y a des quads ici, frérot. Mec, il est en quad à Copenhague. Ah, je suis mort. Allez, on va s'arrêter chez Ferrari un peu. Alors, j'espère qu'il n'y a personne. Les mecs, ils vont croire que j'ai braqué les féfés. Non, non, t'inquiète pas, frérot. Ne t'inquiète pas. Ah ouais, ça va être patate quand même, hein, je pense. Hein. En fait, si tu veux, j'ai repéré cet endroit parce que tu vois, la devanture, elle est un peu bizarre, tu vois. En plus, avec le noir sur noir, ça paraît pas mal, je pense. Donc on va voir, on va tester quelques clichés. Ah ouais, d'accord, toi t'as chouraf comme ça. Ah merde, putain. Elle va pas me chier dessus, par contre. Hein. C'était la pression, là. Speak English? No, only English. Ouais. Yeah. What you doing? You take pictures? Yes, pictures. Okay, and you filming us? Yes, yes. I make video on YouTube. Okay, where you come from? France. France. Okay, good. And you are really France man, Ella? Yeah, from Paris. Paris. Okay. Yes, Paris. Good. You come from Paris with this? No. You live here? You work? Yeah, I live here. I came here in June last year, so okay. Less than 1 year. Okay. It's a Honda, okay, Honda. Yeah, Honda CBR. Yeah, this is very good. My friend have this with orange. Ah, Repsol, orange. Yeah. But I brought this in China. Ah, it's special. Special, huh? Yes. On AliExpress. But 600 push, huh? It push. Okay. Yeah. Well, you can take 260 with this. 260. Okay. 260. Yes. Okay. Thank you, my friend. You're welcome. Bye. Test COVID. Putain, c'est où The Bee? Brandy. C'est con parce que j'étais bien là. Nigards, Plaids, 31-26-05. Allez, on va essayer d'aller avant. Putain, je vais lui demander. What? You speak English? Do you know where is the COVID center? The test center? Yeah.
In this building? Yes, it's clean. Okay. So, but on the other side. Ah, okay, so other side. Okay. Okay, thanks. Ah bah oui, c'est là. Et wa. Hé hé, salut mon gars. Putain, il avait une GoPro aussi. Putain, c'est un motovlogueur. Putain, il m'a... Je sais pas s'il y a des motovlogueurs danois. On va faire des feats, mon gars. Des featuring avec des motovlogueurs danois. Ah, il doit... Franchement, dans le truc Danemark, il doit au moins avoir un connard qui fait des vidéos sur YouTube comme moi. Hein. Mais il avait une GoPro, je suis quasi sûr, ça allait super vite, mais je suis quasi sûr qu'il avait une GoPro sur son NXR.